Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo consacrée à l'ultime retour sur Call of Duty Infinite Warfare. Et oui, vous ne rêvez pas encore du Infinite Warfare, décidément, ça ne s'arrête plus, sachant que cette vidéo, c'est un peu la suite directe du retour que je vous avais proposé il y a de cela quelques semaines sur ce Infinite Warfare en étant sur PlayStation 5. On va donc se faire quelques games en multijoueur, mais cette fois-ci avec des armes que j'avais pas forcément jouées lors du précédent retour. Mais attention, ce n'est pas tout. Ça reste tout de même l'ultime retour sur ce Infinite Warfare, donc faut voir les choses en grand. On va pas seulement faire du multijoueur, mais je vais également vous proposer du zombie, le petit retour en zombie qui va faire plaisir, et plus particulièrement sur Rave in the Redwoods. Du coup, cette vidéo sera vraiment divisée en deux parties, les 30 premières minutes en multijoueur et les 30 autres minutes en zombie. Donc j'espère, voilà, que ce petit format de vidéo va vous faire plaisir. Alors normalement, dès que c'est du Infinite Warfare, ça vous fait plaisir, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je me suis dit que ouais, ce serait sympa. Alors surtout pour continuer un peu, voilà, le retour que je vous avais proposé la dernière fois, parce que j'étais un peu resté sur ma fin, j'avais envie de continuer, mais en même temps, fallait arrêter la vidéo. Donc finalement, faire une partie 2 limite, bah, c'était la meilleure des options, avec en plus du coup du zombie. Non mais pour alors, c'est merveilleux. J'espère que je vais surtout pouvoir prendre ma revanche au fusil de précision, car c'était pas terrible lors du précédent retour. Donc là, ouais, c'est l'occasion pour moi de prendre clairement ma revanche avec, par exemple, l'intervention. Mais peut-être pas seulement ce fusil de précision, on verra ça. J'ai préparé mes petites classes, hein, comme vous pouvez le voir. Donc encore pas mal de diversité normalement de prévu pour le multijoueur. Après, on verra comment que ça se passera pour le zombie. Allez, sans plus tarder, il est temps de partir in-game, sûrement en match à mort par équipe. Alors là, ça pouvait pas mieux tomber. Terminal, on avait justement terminé sur Terminal lors du précédent retour. Et bah pour ce nouveau retour, on commence avec Terminal. Et ça, c'est beau. Bah, je suis content de retrouver Terminal parce que c'est le meilleur moyen pour jouer au fusil de précision. Ma petite revanche, c'est maintenant ou jamais. Oh que oui. Bon, on va pas commencer au fusil de précision parce qu'il faut déjà que je reprenne le jeu en main. Étant donné que j'y ai pas joué depuis le précédent retour, ça fait de mon côté à peu près 2-3 semaines. Vous allez voir que j'ai tout perdu à nouveau, hein. Je vais être encore en mode, oula, ça fait bizarre. C'est bizarre au niveau de la sensibilité et tout, là je vais être paumé. C'est une certitude. Mais bon, ça se reprend en main, normalement pas trop de problèmes à ce niveau-là, enfin j'espère. Bon, en face ils sont, ok, ils sont 5, c'est bon, c'est bon. Il y a de l'adversaire. Bon après je pense qu'on va pas jouer que KBAR et fusil de précision. Quoique si on pourrait, vu qu'en fait j'ai deux classes fusil de précision, donc ça ferait 3 armes, 3 classes. Il y en a 10 je crois au total. En vrai, c'est pas si mal. Quand j'y pense, c'est pas si mal. Je vais pas y aller là parce que je crois qu'il y avait un autre ennemi qui m'attendait hein, dans le sas. Pas un autre ennemi là? Ah bah en dessous, attends. What? Oh, attends, toi, tu m'as pas vu, tu sais pas que je suis là. Profitons-en, voilà, pour sortir le kill. Ok, ça commence plutôt bien. Ça commence même très bien. Oh oui, oh, j'aime bien, j'aime bien. Alors maintenant, il faudrait aboutir là-dessus. On va rester ici, je pense, en mode sneaky, parce que là, ça va sortir du spawn, c'est ça le problème, et que bon. Si on y va, nous, on va se faire pouner, sûrement. Hein. Du fait que. Oh là, il y avait quand même un kill à la chercher. Du fait que. Il y a le respawn. Vas-y, on va bouger. Normalement, il y a celui qui est dans la navette. Qui. Ok, il sort par l'arrière, je crois. On dirait, hein. Ah non, il est dans la navette encore. Il fait des allers-retours dedans, c'est juste ça. Bah, je sais pas où il est, là, tu vois. Hein. Ah là, il faut assurer, comme ça je débloque direct mon petit vautour, ça commencerait vachement bien. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Je l'ai vu. Let's go. J'ai eu peur là, il y a l'allié qui est arrivé, je me suis dit. Oh non, 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 ça va finir en assistance cette connerie. Mince, là ça va finir sur ton mort. Ah ouais, dommage. Dommage, dommage, dommage. Pas grave. Pas grave, c'est pas grave. Le but, c'est pas non plus de sortir un gardien dès le début de la première partie. C'est peut-être un peu trop précipité, tu vois, comme déroulement. Donc, non. Non, 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 c'est pas grave du tout. Ah, et le vautour qui fait un kill, c'est plaisant. Parce qu'il était un peu en mode feignasse, hein, j'avais l'impression, lors justement du premier retour. Ou du précédent plutôt. C'était pas le premier en réalité. Mais là, il me fait plaisir à faire un petit kill, même si ce sera peut-être le seul en fait. Hein. Ça ira peut-être pas plus loin. Ah, la KBR par contre à distance là à chaque fois, pas facile à gérer son recul. C'est une arme très efficace, mais dès que tu t'éloignes un peu de la cible,
Ça tatillonne un peu du cul hein, pour, voilà, bah, pour aller chercher le kill, vu que c'est un recul horizontal, vertical, c'est la totale. T'as un recul dans tous les sens avec la KBAR. Hein. Et pourtant, malgré tout, ça reste sûrement l'une des meilleures armes du jeu. Hein. Juste que son recul est parfois un peu compliqué à gérer. Donc là, je suis même pas sûr que j'ai la meilleure variante en termes de contrôle du recul. Je sais même pas en vrai. Ça va arriver encore Navette là? Ouais. Alors lui ça. Bon, en même temps, il a le camo nuit noir aussi sur ses spé, sur ses armures de combat. Et ça pue le tryhard à 20 000%. Le gars, il est dans la navette, c'est-à-dire qu'il peut pas trop jump. Il est jumpé quand même. Hein. C'est ceux qui utilisent tout le temps, mais alors tout le temps le jetpack, hein, sans exception. Putain, on se prend un gardien par contre, c'est fou ça. Parce que moi, je prends pas cher là du tout dans cette partie. Pour l'instant, on est très bien. Mais on se prend quand même un gardien. Et un vautour du coup, accessoirement. Ah oui, pour compléter le lot quoi. Bon, je vais aller navette, je vais essayer d'aller navette même. Il y a du monde hein. Là, le gardien il va nous fumer si je suis pas à cover, un minimum. On le sait très très bien. Il y a un gars qui arrive là d'ailleurs. Hein. Il était en dessous là de l'entrée. Ah dommage! Oh, il m'a fumé lui hein. Il m'a détruit avec sa titan. What? Mais ils ont déjà 54 kills, j'avais pas vu. Et merde, bah du coup, si je veux prendre, je crois que c'est maintenant hein, l'intervention. Mais on n'est pas du tout au meilleur moment de la game, vu qu'on se prend un gardien. Les ennemis, ils ont l'air plutôt chauds là, hein, plutôt on fire. Hein. Ils sont des terres, quoi. Ah bah non, ah bah non. Quoi? Ah, et ça repart là, je vais rater toutes mes balles à nouveau. Mais il nous attend lui en plus. Oi, 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 j'ai bien choisi mon moment pour prendre l'intervention moi aussi. Hein. En même temps, si je le prends pas maintenant, je le prendrai jamais. Là est le problème. Il y a des problèmes dans tous les sens. Bon, c'est bon, il n'y a plus de gardiens. Ils vont nous en remettre un. Bonjour, à nouveau un gardien. Allez, c'est parti. Et tous dans la navette. C'est un peu une idée à la con, ça. Hein. Ok, il l'a fumé. Bon, on va quand même essayer d'avancer, mais le fait qu'on soit tous dans la mallette, dans la navette, c'est pas super super. Hein. Ça arrive là encore. Effectivement. Décale. Hop. Voilà, enfin, on se fait des petits tirs de snipe là, c'est plaisant, voilà. Allez, venez là, je vous attends. Je vais vous cueillir, moi. Vous allez voir. On va rester à attendre parce que je pense qu'il y en a d'autres qui vont revenir. On occupe. Hein? Oui, je meurs en plus! Attends, il y avait que la partie haute du corps qui dépassait, donc je devais forcément le one-shot. Non, j'ai réussi à lui mettre un marqueur. Et en plus, après, je me suis fait démolir là par l'autre, il m'a one-shot. Oh bah, ok, Proteus, je comprends peut-être maintenant pourquoi je me fais one-shot. C'est peut-être un mec au Proteus du coup? J'ai pas fait gaffe. Je vous avoue, j'ai pas fait gaffe. Wow. Voilà, on est clairement tombé dans l'équipe de la démontada aussi. Hein. On se fait démonter. Vu qu'on est bah, dans l'équipe qui perd, hein, ça se ressent. Ça se ressent amplement. Oh, attends, on l'a vu lui. Voilà, hey, par contre les balles de snipe là elles passent bien. Hein. Bon, sauf la première. La première elle était pas bien passée, mais maintenant. Maintenant c'est bon là, ça passe. Hein. Ah, c'est juste dommage que là, bon bah la game elle est déjà bientôt terminée. Hein. On est sur déjà une fin de partie. Hein. Et je trouve un peu précipité, ma foi. Hop, ça passe. Je crois qu'en plus, on a tué le tryhard. Allez, go navette, là. Peut-être qu'on va avoir du client pour notre griffe. Bah, il faudrait, parce que je l'ai activé. C'est pas pour repartir bredouille, hein. Mais bon, je repartirai pas au moins bredouille. Hop, il y en a encore un autre, là. Bah là, ils sont tous dans le couloir de la mort, je crois. Hein. Ouais. Il y en a un, là, au-dessus, aussi. Ah mais ma griffe, ouais, elle est terminée. Oh, mais non. Quoi, le noscopite marqueur? C'était pas mérité. Ça aurait été magnifique, là, de le tuer comme ça, en plus. Oh non, c'est pas mérité. Il fallait pas mettre un noscope là-dessus. Oh non, oh, je suis deg. Il aurait été magnifique, ce noscope, là, vu le moment où ça se passait, tu vois. L'occasion, elle était parfaite. Oh, par contre, non, il y a Mister Tryhard, là. Ouh, je me casse. Il va me chasser. Il va me chasser. Ouais, bon, 75-100, on s'en sort très bien de notre côté, 31-11. On a joué presque la moitié de la partie au fil de précision, l'intervention plus précisément, donc non, c'était plaisant. Oh, par contre, j'ai oublié de faire un truc. J'avais oublié la même chose hein, lors du précédent retour, c'est que dans ma classe intervention, j'ai la Venomix. J'ai oublié de l'utiliser.
J'ai trop envie de jouer Venomix là. Bon, on essaiera de le reprendre du coup, peut-être pour la Venomix. Je suis pas sûr après on fasse vraiment des kills avec cette dernière. Je sais même plus vraiment si elle était efficace ou non, mais ouais. Bon, par contre, lui c'était vraiment le tryhard par excellence hein, dans l'équipe d'en face. Il a bien carry son équipe aussi, je pense. Hein. J'ai même pas vu son score, mais. Attends, classement. Ouais. 44 kills à lui tout seul. Voilà! À la prochaine, hein! Prestige 27 aussi. 44-13, ouais, il s'est fait plaisir. J'ai carry aussi mon équipe, mais tu vois, pas à ce niveau-là quand même. Hein. Il y a moindre mesure après. Hein. C'est pas au même niveau. J'ai Ah, on a un reçu petit de nouvelles piratage carte de messages. visite. Bah, ce sera pour l'opening. Alors, l'opening, vous l'aurez déjà vu normalement quand cette vidéo sortira. Mais moi, je le tournerai après pour réserver encore un maximum Cible de marquée. clés pour qu'on se mette tellement, tellement bien. Et ça, on apprécie. On enchaîne cette fois-ci sur Ground pour cette deuxième partie. Oh non, ça réchauffe, je crois, au dernier moment. Oh non, on va pas jouer à 6. Non, mais Ground, en fait, c'est la map maudite parce que, pareil, lors du précédent retour, chaque fois, on n'était pas full hein, sur Ground. Hein. Il manquait toujours des joueurs. On va prendre la VPR pour commencer. Oh, mais tu vois, ils sont que deux, mais quel enfer. Mais quel enfer, mais non. Alors, déjà que ça a galéré, on va dire, pour compléter l'accueil. Là, je pense que ça va galérer aussi pour compléter cet accueil qui, maintenant, du coup, un accueil déjà commencé, c'est limite pire. Mamma mia. Ah, j'ai pas de chance. J'ai hésité en plus à quitter l'accueil, mais je me suis dit, non, on va pas quitter. Je vais attendre et j'aurais peut-être dû quitter au final parce que maintenant, c'est presque un accueil mort. Hein. En tout cas, si ça reste dans cet état avec seulement deux adversaires. Ok, il y a un qui se connecte. Qu'est-ce qu'il fait l'allié là? Il a l'air de galérer avec son Proteus. C'est bon. Il a eu le kill, mais il avait l'air de galérer. Hein. Je sais pas, mais bon. J'avais comme qui dirait une petite impression. Ah, c'est un peu triste quand même, 4v3. Ah, il y a un mec là, par contre. Il ne m'a pas vu. Attends, il y en a deux du coup, même. Maintenant, il m'a pas vu, mais il sait que je suis là, hein, vu les tirs. Oh purée, ils sont là. Oh, mais attends, il faut que je recharge là. C'est pas possible là. Non, 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 non. Putain, on n'a pas de stimulant. J'étais en train de spammer elle, hein, mais. Pas sur une Infinite Warfare. Aïe aïe aïe. C'est vrai que quand même la VPR, même si elle a beaucoup de balles dans le chargeur, ça part très vite. Hein. Et là on l'a vu. Hein. J'ai pas malheureusement pu plus enchaîner que ça. Même si. Eh pour l'instant, ce qui me conquit plutôt bien au niveau de cette game, c'est qu'ils sont pas très nombreux, mais pourtant, ça enchaîne les kills à foison. Ils sont que 3 avant le corps, pourtant ça a pas changé. Comment ça se fait qu'on n'arrête pas de les croiser alors? J'espère que ça va continuer ainsi, parce que là c'est parfait. Hein. Là j'adore. Hein. T'as 3 ennemis, pourtant. T'arrêtes pas d'en croiser. Ah mince, il a été exclu pour cause. Oh, c'est dans notre équipe, ok. Au moins, ça fait un 3v3. Hein. Attends, on est en multijoueur classique là ou en confrontation? Voire escarmouche. Je sais pas, hein, parce que 3v3, quoi. Ceci est bien étrange. Bon, il a fallu forcément que je parle et maintenant, du coup. Ah, ils sont plus que deux déjà. Et surtout, on les croise plus. Aïe aïe aïe. Non, c'est bon, je ne perds pas espoir. Bon là, l'allié va sûrement choper le kill, même s'il galère beaucoup avec son Proteus, hein. Je sais pas ce qu'il fait. Pourtant, il doit le jouer en mode pompe, donc c'est un peu bizarre, tu vois, qu'il galère en mode pompe. Tu tires au GG et puis ça part, hein, normalement. Mais pour lui, ça m'a l'air d'être une autre histoire. Hein. Une autre complication. Là, normalement, il y a l'ennemi, non? On l'a vu. Il doit attendre, alors. Ok, il est là. Le petit drone va être au moins utile pour les repérer, vu qu'ils sont que deux. Ouais, il y en a un ici. Après, le drone, il est utile aussi pour les alliés. Hein. Ils sont là pour me les voler, potentiellement. Bon, allez, j'active la griffe, même si je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais. Que voulez-vous? On tente ce qu'on a à tenter, hein, parce que, aussi, au final, j'utiliserai jamais, dans le cas contraire. Oh, pourquoi j'ai arrêté de tirer? Oh non, oh, je pensais pas qu'ils étaient tous là d'un coup. C'est la malédiction encore du gardien, là. J'arriverai pas à débloquer mon gardien. À chaque fois, il y a interruption de. De comment dire. Ah, dommage. De série, tout simplement. Ah, j'ai réussi à trouver mes mots. Allez, on va prendre le River pour continuer. Parce que là, au final, on est quasiment à la moitié de la partie, vu que bah, là, la partie elle va clairement se terminer autant. Hein. Même si ça arrive à join davantage, même si ça m'étonnerait. Dans tous les cas, ça va se terminer autant, vu qu'on n'atteindra jamais les 100 kills. Ou alors, faudrait vraiment un Stonks des plus énervés. Chose qui ne pourrait pas arriver. Oh, le River là, par contre. Aïe, aïe, aïe. Oh, j'étais un peu loin, si j'avoue. Un peu loin et surtout là il a décidé comme par hasard d'aller le plus haut possible pour que je sois encore plus éloigné. Moi, je veux de la courte distance. Ouf, alors toi peut-être le même hein, pour la revanche. Bon ça galère un peu au river mais tant qu'on peut spam ça peut passer tu vois. Je peux saisir le kill. Hop parfait. Alors lui par contre ouais, il m'a bien amoché. Ouais on va le laisser à l'allié. Vas-y l'allié hein, tu fais le taf c'est très bien comme ça. Ah dommage. Eh quoique là une cartouche qu'on lui a mis tu vois il était mid life hein.
Comme quoi, le River, en vrai, si, il y a moyen de mettre des grosses cartouches. Alors, je dis pas après des one shot, hein, non. C'est un pompe semi-auto, donc si tu commences à mettre des one shot, il y aurait, comme qui dirait, un certain déséquilibrage. Mais il y a toujours moyen de mettre des grosses cartouches. Hein. Hop. Voilà, ça passe bien. Oh, quoi, non. Dès que je les vois à distance, c'est non, je refuse. Le problème, c'est qu'ils restent à peu près vers le middle, là. Ah, attends, là, il y a moyen, sûrement. Ça va arriver ou pas? Ça arrive, mais pas comme je le voudrais. Hop, nickel. Ah, faut jouer sur. Oh, je l'ai vu. Ah, il y en avait un deuxième. C'est pas lui que j'avais vu, du coup. Moi, j'avais vu celui qui était dans la grotte, là, dans le coin, en train d'être accroupi, là. Mais il y a lui aussi qui est arrivé, du coup, hein, en même temps. Donc, bon. Ah, assistance. Yes. Quel plaisir. Quel plaisir, l'assistance. Ça va peut-être respawn dans le bac, là, non? On va checker, hein. Mais en vrai, même si c'est que du 3v3, je trouve la game assez plaisante, parce qu'au final, vu que les ennemis plutôt, et pas les alliés, même si les alliés aussi ils doivent rush, j'espère, mais vu que les ennemis, ouais, rush, bah ça rend quand même la game très plaisante pour du 3v3, hein. J'avoue que sinon, s'ils commenceraient à camper, ah, comment dire, ce serait pas gagné, ce serait très chiant, j'aurais quitté sûrement la game entre-temps, mais là, aucune raison de quitter quand tu vois comment que ça joue en face, c'est plutôt nice. Hop. Enfin, lui, il est au pompe, il arrive pas pourtant à nous la caler, hein. Avec son modèle. Lui, par contre, il me l'a calé avec son Proteus. Attends! Oh, bah lui, on l'avait jamais rencontré. Oh, un quatrième joueur! Oh. Ah, je suis content aussi que ça a rejoint plus dans l'équipe adverse que dans la nôtre. Parce qu'au moins, ouais. Ça nous fait plus de potentiel kill. Alors, ici, il y aurait du monde, du coup. Ouais, il y a lui. Hop. Il y en a encore un, là. Est-ce que l'allié va réussir à le tuer? Non. Ah, bah, il est mort de manière inexpliquée. Et inexplicable. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Allez, on va changer, on va prendre l'Atlas. Hop. La petite batteuse, là, l'Atlas. Là, au moins, je serai plus trop restreint à du corps à corps pour la fin de la partie. Encore maintenant, faut-il mourir? Même si j'ai pas trop envie de mourir non plus tout de suite. Mais c'est vrai qu'il faudra mourir si je veux changer d'arme. Bon, attends, ils doivent être dans les parages, là, les ennemis. Ouais, il y en a un. Hop. Bon, le deuxième, il va me tuer, justement, là. Ah ouais, il était passé par derrière, je l'avais pas vu en plus, passer au-dessus. Dommage, dommage. Ah, et Atlas, putain, Atlas, ça fait longtemps que j'y ai pas joué aussi. Normalement, c'est une bonne valeur sûre. Hein. En plus, c'est un peu une hybride fusil mitrailleur, fusil d'assaut en soi. Et pourtant, là, on voit. Ah, ok, là, ils étaient deux. Bah, je pense l'autre qu'on a vu, il va pas revenir. Mais il y en a un là, parfait. Fais gaffe, derrière toi, l'allié, il y avait quelqu'un. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je te mets quand même au courant, c'est toujours sympathique de prévenir les alliés, même s'ils t'entendent pas forcément. Mais je préviens. Hop. Petit drone, alors là ça pourrait arriver du coup que ça passe grotte. Oh oui putain, ils sont tous là. Hein. Ils sont tous là. Dans un espace assez confiné. Bon après plus le middle aussi, mais. Hop, le vautour. Ça va arriver là. Oh bah ça me back même. Tente de me back, mais je l'avais vu, merci le radar. Oh non, ça quitte encore. Point, point, point. Ah, ils vont tous arriver là, je pense. Attends, parce que là, ils sont tous dans la grotte encore. Ah, il a activé son cinématique. Il y a l'autre aussi qui arrive. Oh, que d'action là, attention. On a le kill. Hop, j'active la griffe. Et on débloque le gardien pour la fin. Voilà, c'est tout ce que je voulais. C'est ce que je recherchais là depuis cette game. Moi, même depuis la précédente en réalité. On l'a eu, voilà. Alors reviens là, toi, par contre. Non, il est mort. Attends, mais l'allié, il joue au Nunchaku, j'avais même pas fait gaffe, je viens de remarquer. Il doit jouer au Nunchaku, en plus, depuis le début de la partie. Il est tranquille, lui, pépère. Je prends mes Nunchaku et je les envoie balader. Ah, j'ai plus de balles. Ah, et j'ai que des points, c'est vrai aussi, donc bon. Je sens que c'est la mort. La mort est arrivée. Yeah, j'ai tenté. Comme pareil, il fallait tomber sur monsieur qui était au modèle. Là, c'était pas la bonne occasion pour tenter de tâter un peu des points. Hein. Pas tomber sur le meilleur des candidats, à vrai dire. Est-ce que mon gardien a fait un kill là d'ailleurs? Je suis même pas sûr. Oh non, le gardien. Que de déception, le gardien. Qu'as-tu fait, mon gardien? Bah, il a rien fait du coup. C'est tout ce que j'ai à dire. Il a rien fait. Ah, bah, si, là, du coup, il a fait le dernier kill quand même. Ouais, c'était plaisant comme game vraiment. Hein. Du 3v3, c'était limite original. C'était limite original. Si on me demandait de recommencer une partie comme ça ou de faire une game classique, limite. Je prendrais plus une partie comme ça, tu vois, était plutôt cool. On serait bien quand même pour la
peut-être dernière partie. Ce serait bien de tomber cette fois-ci sur une map sur laquelle on n'était pas tombé lors du précédent retour. Parce que le ground terminal, on avait déjà fait. Donc, changer, ça ferait pas de mal, hein. Moi non, ça ferait pas de mal. Clairement pas. Après, je serais limite partant de lancer une quatrième partie, mais juste pour faire un début de game, genre on prend la Venomix. Parce que je pense que j'aurais pas le temps de prendre la Venomix là pour la prochaine partie, donc... On pourrait aussi se faire ça, on verra de toute façon. Mais il est temps d'attaquer la troisième game de ce retour. Dans la partie, en tout cas, multijoueur, car... Dans quelques minutes, on passera sur le zombie. Hé, regardez ce que j'ai trouvé de la mêlée générale à nouveau, comme lors du précédent retour. Bon, c'était pas si facile. Je pensais même au début qu'il n'y avait pas d'accueil parce que ça trouvait rien. Mais en persistant un peu, j'ai fini par trouver cette petite game. En plus, là, on est 7. Autant dire que c'est vachement bien. Sur frontière en plus, on risque pas de s'ennuyer. Là, ouais, c'est plutôt cool. Hein. Alors, est-ce qu'on va pouvoir choper une victoire? J'en sais rien, on va voir ça. Je pense qu'on va commencer avec la Xeon. Ce qui est bien en plus c'est sur la mêlée générale, c'est que c'est vraiment un mode parfait, je dirais, pour les changements de classe comme je l'ai fait moi. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on est dans de bonnes conditions. Allez hop, Xeon. Quoique peut-être FHR40 pour commencer. Non, non, on va prendre Xeon quand même. FHR40, on la prendra après. Oh, je me rappelle plus du tout des spawns en mêlée générale sur frontière. Y a pas un spawn là en bas avec moi? Ça pourrait être le cas, hein. Surtout que là on est 7, donc c'est quasiment tous les spawns. Ah non, peut-être pas. Oh! Par contre, t'avais un gars juste ici, ok. Je m'en souvenais pas du tout, hein. Après, là, ouais, compliqué, de toute façon, de connaître les spawns des années plus tard. On essaye, hein, de se souvenir, mais pour les avoir après en tête, ouais, non, c'est plus notre paire de manches. Largement, très très largement. Bon, là, par contre, je regrette limite de pas avoir gardé le river, hein, pour cette partie. Bon, je pouvais pas savoir en même temps que j'allais tomber sur frontière, mais c'est vrai que là, le river, sur frontière, j'aurais pu largement me faire plaisir, hein. Je suis déçu du coup. Je suis déception là, je passe à côté d'une très très bonne occasion. Une personne ici, non. Faut surtout rester sur les fonds de map parce que là t'as les respawns quand même qui sont assez abondants. Hein, sur les fonds de map, genre ici, si on peut, on va dire, checker cette zone et la garder pour nous. On pourrait peut-être enchaîner comme équipe avec de l'aisance. C'est forcément ce qui est recherché. Bon là dommage, le respawn était peut-être un peu violent. Et un peu éloigné, surtout avec la Xeon. Ok, juste ici. Voilà, qu'on peut surprendre. Magnifique. Oh, il y en avait un autre là encore. Ah, il va pas venir, vu qu'ils avaient tué avant. Petite interception. Lui, on va le laisser utiliser son retour arrière. Vas-y, hein, fais ton taf. Je pense que je vais déjà du coup passer sur la FHR. Là, on est parce que j'avais pas vu, mais on est déjà à 8 kills, ça passe vite. Hein. Ça passe même très vite, je pense. Là, il y a peut-être. Ouais, un gars fond de map, hop. FHR 40. Prochaine mort, c'est acquis. J'avais pas vu, mais il y a un drone de brouillage, donc même si là j'obtiens mon drone, je me fais un peu douiller. Après, il va pas durer des années le drone de brouillage, mais bon. En soi, pas mes affaires, hein. De toute façon, je suis mort. Au moins, ça résout peut-être un peu le problème, hein. Je suis mort. Oh, toi par contre, avec ton katana. Mais ils ont quoi là, toujours au corps à corps après les Nunchaku, maintenant c'est le katana. Et on a de tout là, hein. Ils sont tous on fire pour jouer au corps à corps. C'est un peu tranquille là quand même, hein. Ça, non, ça a pas quitté pourtant, mais... Attends, il y a vraiment un gars là. Il y avait vraiment un gars. Oh, il aurait pu nous la mettre en plus, hein. Il aurait clairement pu nous la mettre. Là, il y en a un autre qui a l'air d'être un peu en mode coussi coussa. Avancer là. Oh, go la griffe. Hein. Sont là, il va y avoir encore des ennemis pas loin. Ouais, faut voir là ici. Faut que je puisse en profiter là avec la griffe quand même. Oh oui, oh bah ça c'est du profit ça. La petite doublette, elle fait plaisir. Allez, ça va revenir. Ah, dommage. Bon, après, j'avoue, le gardien, même s'il serait sorti, là, on est quand même sur une map qui n'est pas des plus favorables hein, pour un gardien. Ça aurait été quand même cool. Ça aurait été quand même cool, c'est vrai, de mettre le gardien. Lui, je pense qu'il va m'attendre. Non, ouais. Plus, je crois que c'est mon concurrent direct. Bon, on l'a tué. Je crois que c'est le deuxième, ça. Ah non, il est troisième. Ok, j'ai rien dit. Bon, après, il doit pas être loin, hein, malgré qu'il soit troisième. Du coup, attends, ça... Ah non, ça... J'ai cru que ça va quitter. Non, non, je crois qu'on est toujours 7, là. J'ai même pas le temps de compter, de toute façon, mais je crois qu'on est encore 7. Reviens là, toi, s'il te plaît. Oh, putain, il est passé par en dessous. On l'aura pas, hein. On l'aura pas de sitôt. Je perds du temps, là. Au secours. Au secours. Ah oui, on gagne le fight. Oui, 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 c'est bien. Merci, la voix de Ghost. Mais bon, c'est pas ça qui va me permettre de... Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Il traîne au-dessus de nous.
Je suis même pas mort moi dans cette situation là qui était un peu bizarre. Le gars il était au-dessus de nous, il nous planait dessus là. Super, on se prenait du feu dans la tronche, hein, mais à part ça, bah ouais, le feu des réacteurs du jetpack, hein, du coup, mais bah, à part ça, t'inquiète, hein, tout va bien. Alors par contre, ouais, c'est à la fois trop, je vais prendre la M1, là j'étais sûr de mourir, hop, on fait le switch. Bon, là du coup, t'as celui qui est fond de map que j'ai pas tué, mais qui est mort, non? Non, même pas? Oh, dommage qu'on a pas d'exécution, hein, là je lui aurais mis une belle exécution. Même si, eh, en vrai, j'aurais pas eu le temps, je crois que j'aurais pas eu le temps. Parce que vu que t'avais les autres ennemis qui étaient là aussi, il y avait situation un peu compromise. Hop. Oh le turn! Le turn à la M1! Et le petit ping! Bah oui, même sur Infinite Warfare, il y a le ping avec la M1. Heureusement d'ailleurs, c'est un fondamental. Attends! Merde! C'est déjà fini! Oh, moi je pensais que j'étais quoi? Aller peut-être vers les 22 kills, un truc comme ça? Ah non, 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 c'est fini! Allez, ciao, bye! Ah merde! Ah c'est... Bah c'était rapide, mais on l'a gagné au moins, hein. On l'a gagné du premier coup. Oh. Ah mais ça veut tout dire, hein. Vraiment, vu que j'ai pas vu la game passer, c'est que vraiment, j'ai pris du plaisir. Et je peux vous confirmer. Mais wow, c'était violent là. Je monte la M1, fin de partie. Dans ma tête, je suis en mode tristesse là. Vous pouvez pas savoir à quel point. Bon du coup la game était plutôt rapide, donc je pense qu'on peut limite s'en faire une autre. Mais en mode peut-être un peu en mode fun où bah du coup ouais j'ai envie quand même de prendre la Venom X. J'ai envie de prendre la Venom X. Et si je prends la Venom X je pense que ça peut m'attirer vers une défaite. Donc là ce serait juste viser le top 3, même si bon ce serait bien de terminer sur une victoire, mais là ouais. Si je prends la Venom X malheureusement ça coïncide pas trop avec une victoire, tu vois. Il y a un peu conflit d'intérêt pour le coup, donc je sais pas trop. Ce qu'on peut faire c'est essayer d'enchaîner un maximum de kills rapidement. Comme ça, j'ai de l'avance sur le deuxième, le troisième, etc. Et la Venom X, pour alors, on pourrait la prendre. On peut faire ça. Bon, du coup, il y a la RO, c'est la seule arme que j'ai pas encore prise. Bon, hormis le KBS où il y a du coup la Venom X avec. Mais c'est la seule arme que j'ai pas encore prise. Donc, on va commencer à la RO et après, bon, on verra. Du coup, hein, je prendrai les armes qu'on a déjà prises hein, auparavant. Bon, la RO, en plus, elle est efficace. Donc, avec ça, normalement, je peux peut-être me donner une petite avance vis-à-vis des adversaires. C'est espéré, en tout cas. Non. Je pensais pas qu'il y avait un ennemi là qui aurait été directement ici. Le spawn était très rapproché. Surtout qu'on existe là, donc on a même pas tous les spawns qui sont pris. Je sais pas par où tu vas arriver, mais... Le danger. Putain, et toi, je t'ai même pas tué. Je suis effaré. Comment ça? Comment ça j'ai pas pu saisir le kill? Ok. Bon, attention dans mon bac là. Bon, ça va arriver, je pense là, hein. Bingo. Et en plus, il y a l'autre. Voilà. Faudrait direct là, tu vois, que je puisse sortir mes streaks, limite. Ça ferait le taf, en fait. Rien que le vautour, même, serait suffisant, limite. Après, là, il y a du monde. Oh, j'ai un peu de choc. Il y avait une mine, là, aussi, non? Oh, il y a double mec, là. Je vais mourir. Bah ouais, là, c'était mort. Ils étaient deux. Putain. Ah, mauvais timing. J'aurais pu en gérer un, mais gérer les deux, je vous avouerais que là, c'était peut-être un peu trop. C'est pas peut-être. C'était sûr que c'était trop. Bon, attends, parce qu'il y a un autre là qui va venir. Il attend derrière, jure. Pour me surprendre peut-être. Sûrement. Ah, quoique, il était au snipe, donc en fait, non, je pense que c'était même pas ça. Bon, 7-3 là, tu vois, ça pourrait quand même bien commencer pour justement que je mette mon plan à exécution. Le plan de l'avance. Magnifique plan d'ailleurs, hein. Trouvé par moi-même. Le mec qui se jette des fleurs là, ça ne s'arrête plus. Allez, un petit dernier kill, échappe le vautour. Et j'ai du coup le petit vautour, magnifique. Hop. Oh bah ça peut débloquer le gardien là. Il y a un mec à côté en plus. Je l'ai entendu avec son retour arrière. Bon, au pire j'ai la griffe, pour me garantir. Hop. Et voilà. Comme ça au cas où, j'ai le gardien. Je pense que là j'ai quand même pris sacrément de l'avance. Hop, le petit bac, ouais, tranquille là. Hein. On va reprendre la M1. Hop. Après, il faut mourir là déjà. Hein. C'est pas encore acté. Ouais, mais là, 18-7, c'est bon. Normalement, c'est tranquille.
Ça, non, ça a pas quitté en face. Il y en a, ils doivent pas rush beaucoup non plus. Hein. Pire, j'ai le drone. Non, mais je vais jouer. Ah, merci. Je vais jouer full row sinon. Il était temps là. Oh, par contre, j'ai plus de choc. Lui, il ne fait gaffe à rien du tout aussi. Bon, 21. Ah, continue de toute façon encore un peu à la M1 Garand. Normalement de notre côté là t'as un ennemi, ouais même pas. Ah, il y a encore Mister Katana aussi. Hop, putain, il pile la dernière balle. Ah dommage. Bon le gardien je vais pas le mettre du coup. Hein. C'est pas nécessaire du tout là. Allez go, là c'est le moment. KBS avec la Venomix. On faisait du 26-5 mais là je pense que ça va tout casser. Hein. Ça va vraiment tout casser le score. Je crois que c'est pas. Ouais c'est ça, ça se tire. Oh bah ok, je l'ai eu direct. Mais ça tire immédiatement, ça se déclenche pas en fait comme en extinction. Donc c'est que comme si c'était un lanceur en tir direct. Après je pense que je peux coller les projectiles de Venomix, non? Bah c'est pas très précis hein, pour les coller. Du coup je peux pas viser donc en plus. Oi, oi, oi. Oh coller, 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 ça tue ou pas? Oh, ça tue pas parce qu'il a l'armure. Mais j'ai pas de chance aussi. Oh là c'est bon par contre. Let's go! Il reste 2 kills. Le petit passe! Et en plus je débloque un camouflage. Bon allez, dernier kill du coup. Oh, derrière moi. Ah ouais bah j'ai pas eu le temps. Je mets le gardien, allez, je veux juste m'assurer la victoire là, tant pis. Hein. Après y'a pas un gars là. Voilà, comme ça on assure la victoire. Il est à 29 en plus. Oh. Le nombre de morts par contre je me suis tapé depuis que j'ai pris ma classe. C'était sûr. Mais j'ai fait quelques kills à la Venomix. C'est le principal. Pas facile hein la Venomix, pas facile du tout. Au moins j'ai testé un peu. J'avais même pas le souvenir hein, de comment ça s'utilisait et tout. Ça termine avec une victoire. Parfait. En vrai, c'était beaucoup trop bien ce deuxième retour sur le multijoueur d'Infinite Warfare. Surtout que cette fois-ci, je me suis pas fait voler la première place en mêlée générale. Même si j'avoue, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Et étant donné que le deuxième était à 29 kills, si j'avais pas sorti mon gardien, ça partait très clairement sur un remake du précédent retour, et ça, c'était pas acceptable. En tout cas, la vidéo n'est pas encore terminée, car je vous le rappelle, on va aller maintenant en zombie, et plus particulièrement sur Rave in the Redwoods, toujours dans le cadre de cet ultime retour sur Infinite Warfare. Et là, on va surkiffer, limite encore plus qu'en multijoueur. On choisit donc le bon film, Psychose dans les bois, slash Rave in the Redwoods, avec bien évidemment le Director's Cut d'activer pour pouvoir profiter un maximum de cette map. Allons-y! Alors pourquoi d'ailleurs j'ai choisi Rave in the Redwoods et pas une autre map? L'explication s'impose. Alors dans un premier temps, je voulais plus aller sur Attack of the Radioactive Things, étant donné que c'est ma map préférée pour le zombie d'Infinite Warfare. Mais j'ai vu que par rapport aux dernières vidéos que j'avais pu faire sur ce mode zombie, bah il y avait Attack of the Radioactive Things. Donc pour éviter une redite, j'ai plutôt choisi ma deuxième map préférée de ce mode zombie qui est donc Rave in the Redwoods. Et pour le coup, elle, ça fait quand même bien plus longtemps que j'ai pas fait de vidéo dessus, donc l'occasion là est parfaite. C'est donc pour ça qu'on est sur Rave. Après, pourquoi pas dans un futur plutôt proche, aller sur les autres maps zombies, ce sera avec grand plaisir. Même si aussi, lors du coup du Mega News hein, que j'ai pu vous proposer en fin d'année, lors du 31 décembre, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, je vous ai proposé du coup tous les combats de boss, du coup par la même occasion, on est allé sur toutes les maps à nouveau. Pour ceux qui ont raté ça, au pire, allez voir le Mega News, le gameplay était très intéressant. Oh là là, on est, c'est bon en mode Rave Party. Ça va être incroyable. Bon, on va prendre déjà une petite arme de corps à corps, laquelle, je sais même plus de toute façon où elle se trouve, les armes de corps à corps.
Vas-y, on va prendre la batte à point, hein. À pointe, hein. Je sais même plus où sont les autres, ouais. Ça, c'est le genre d'instrument que j'aime. On va déjà ouvrir. Au moins, ce qui est bien, c'est que j'ai pas oublié où se trouvaient les pièces pour le pack-a-punch et même comment activer le courant. Oh, c'est un peu la base, hein, parce que si j'avais pas ça, là, on n'ira pas très très loin, je pense, durant cette partie. Hop. Et là, de toute façon, avec les 25 000 points du Director's Cut, oui, on a moyen de tout ouvrir en un claquement de doigts. Histoire de pouvoir faire, oui, un maximum de choses, là, en l'espace d'un peu moins de 30 minutes. Vas-y, je vais ouvrir directement, je pense, au courant. Là, on va même pas s'arrêter pour tuer des zombies. Objectif, activer le courant, activer la rave party. Miam, miam. Delicioso. Bon, je crois que c'est la première fois que je vous fais une vidéo sur Infinite Warfare où ça combine multi et zombies, en tout cas. Hein. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà fait ça. Et pour un ultime retour, c'est une obligation. Ok, c'est bon, ça au moins c'est activé. Niveau des pièges, j'ai rien oublié, de toute façon, il me semble, hein, pour le bateau, donc, directement pour le pack-a-punch, hein, vu que les deux sont liés. La deuxième pièce, après, bah, c'est ici, au niveau de la scène. Ah, l'ambiance, toujours aussi incroyable. Hein. Oh, bonjour, toi. Toujours aussi incroyable, Rave. Hein. Ah là là là, quel plaisir. Elle est magnifique, cette map. On a la deuxième pièce, après, du coup, on a la dernière pièce. Ouais, c'est au niveau de Masto, la dernière pièce. Enfin, dernière, parce qu'il y a aussi la bobine, mais la bobine, c'est un peu à part. On va faire un tour de map, hein, tranquille. Si t'avais le mur d'escalade, c'est vrai aussi. C'est assez exclusif, c'est un mur d'escalade dans une map zombie. Qui l'eût cru? Et pourtant, ils l'ont fait sur Rave. Hop, le feu de camp ici, le gros feu de camp. Faisait d'ailleurs une petite étape du secret ici, je me rappelle très très bien. L'une des premières étapes d'ailleurs du secret au niveau du gros feu de camp. Et du coup, ouais, c'est en passant par haut là, du coup, je vais vers la dernière pièce. Hein. Normalement, si mes souvenirs sont bons, oui, c'est bon, voilà. Et c'est juste à côté de Mastodonte, enfin à côté. Bah, Mastodonte est là, tu vois, la pièce était ici. C'est bon, on peut directement aller au pack-a-punch. Bon, après, c'est vrai que pour aller au pack-a-punch, il faudrait avoir des armes à pack-a-punch. On pourrait le faire avec la batte à point. Mais on va plutôt faire des boîtes, non? Genre, si on pouvait obtenir les armes spéciales, là, ce serait plutôt opportuniste de ma part. Plutôt chanceux, mais en même temps, il faut saisir notre chance. Elle est où, la boîte? La roue mystère. Ok, elle est plutôt vers là-bas, je vois. On faudrait quand même la terminer, la manche. Hop, voilà. Dernier zombie, on va les faire respawn après plus ou moins à côté de nous. Parce que là j'étais en perpétuel mouvement, donc les zombies, surtout des zombies d'une manche une, ils n'arrivent plus à suivre. Oh, même la musique de passage de manche, incroyable, incroyable. Et moi de mon côté, du coup, ouais, ça faisait pas mal de temps aussi que j'avais pas joué à Rave. Hein. J'y ai joué indirectement en faisant les combats de boss. Oh bah, première boîte. Après, j'avoue, on a la pire. On a la pire des armes spéciales. J'aime pas, moi, l'arbalète piège, là. Parce que, bon, dans le principe, hein, pour vous rappeler, il faut faire ça, en fait, pour faire liaison de deux carreaux, et ça forme après un piège. C'est pas le truc le plus efficace. J'avoue, dans le concept, c'est très intéressant, c'est très unique, mais c'est pas très efficace. Après, non, tu prenais pas de dégâts quand t'allais dedans, hein. Bon, après, ça veut pas dire qu'on peut pas avoir une autre arbalète, hein, vu qu'on a eu celle-ci, mais j'avoue, là, bon, c'est bien. On dirait qu'on a une arbalète, mais on n'a pas la meilleure. Ah, là, la liaison, c'est pas faite. C'est parce que le carreau, il s'est mal mis, je crois. Oula, Pilo, par contre... Décidément, j'ai que des armes cheloues, en fait. Ça va enchaîner les armes cheloues. Mais oui, ce que je disais avant d'obtenir, du coup, la fameuse arbalète à piège, là, c'est que, ouais, j'ai fait le combat de boss... lors du Mega News, donc ça, s'il avait fait du coup en fin d'année. Mais on était que dans la salle du boss, donc c'était pas vraiment Rave. On l'avait fait à HR40, on va la prendre à la place du Pilo, du coup. Ah mince, elle a disparu, du coup, j'ai été trop lent, mince. Oupsie. pas de FHR40, bon, est-ce que c'est bien grave? Non, ça ne l'est pas vraiment. Oh, le modèle, par contre. Le modèle, il était bien dans Zombie, je crois. Ah, par contre, j'avais pas en Akimbo. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Parce que... je crois pas que cette variante là, qui était la variante légendaire d'ailleurs, avec avec la putain de rafale. Putain, une rafale comme ça avec un pompe, c'est du jamais vu. Hein. Mais je crois pas que c'était le truc le plus efficace. Hein. J'avais juste pris ça, je pense, pour le fun, mais en soi... Par contre, ça a aucun recul quand tu vises, attends. Oh putain, il y a aucun recul, impressionnant. C'est tout bonnement impressionnant. Bon, on va continuer à ouvrir. Voilà, je sais pas où elle va arriver, la roue mystère, la prochaine. Mais je crois bien que je vais continuer à en faire, même si j'avoue, il faudrait quand même ouvrir le reste de la map. Parce que, au bout d'un moment, j'aurai plus de points. Ah bah, c'est ici. Ok, ça tombe plutôt bien.
Bon, attends, en passant, je prends la bobine, même si on va pas aller direct au pack-a-punch. Et il reste, bah, il y a ici à ouvrir, il y a de l'autre côté aussi pour faire la liaison avec le spawn. À part ça, j'ai à peu près tout ouvert, hein. Il reste quelques portes, mais c'est des portes un peu raccourcies, tu vois. Mais genre ici, celle-ci, je m'ouvre jamais d'ailleurs. Mais à part ça, ouais, j'ai tout ouvert là, c'est bon. Normalement, il reste plus qu'ici. Alors, je me retrouvais plus là. Hop. Et là, du coup, on a la liaison par rapport au feu de camp et Pousse surtout les par rapport murs! au bâtiment du spawn. Parfait, on est bon. Bon, il reste 8000 points. Comme quoi, t'as beau commencer avec 25 000 points la partie. Ça fond comme neige au soleil, hein, les points. Ouais, point, point, point. Alors, il est où le dernier zombie là? Parce que je suppose qu'il en reste plus qu'un là, vu que. Il m'a l'air sacrément lent et vachement pas dans les parages. On l'a paumé, je crois. On a paumé notre zombie. Ah, je l'entends. Comment ça, je l'entends, mais je le vois pas? Il est où? Il est plus loin par là? Ouais, bah non, je. Ah, il était derrière. Oh, tu sortais de l'eau, c'est ça. T'avais pris un Et bon voir petit ce que ça bain. donne. Moi, bon, je peux comprendre. Je peux comprendre ce choix, effectivement. Allez! Ah, cet emplacement, par contre, de roue mystère là. C'est le démon. Alors là, on est mange 3, donc ça va, mais sinon, c'est le démon ici. Hein. Tu te fais assaillir par les zombies qui viennent de l'eau là. Une catastrophe. Bah voilà! Oh, la tourbillon en plus. C'est la meilleure en vrai, non? La Oh, je tourbillon. tue les vilains pas beaux. Ouais, c'est la meilleure, c'est ma préférée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent la pluie d'acide, qui est bah, une pluie d'acide du coup, hein, comme son nom l'indique. Mais en vrai, moi je crois que ma préférée c'est bien elle. Hein. Sachant qu'attends, c'est quoi déjà la quatrième? Parce qu'on a la pluie d'acide, on a du coup l'effet de vent avec celle-ci, on a celle qui fait des pièges. Il y en a une quatrième, c'est laquelle? Oh, j'ai oublié. J'ai complètement oublié. Bon, bah la boîte, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, tu me la donnes et comme ça. Je pourrais peut-être me remémorer un peu toute cette histoire là. Un très bon moyen, effectivement. Bah, ta pointe, j'ai envie de la garder. Qu'est-ce que tu me proposes? Ah, bah tiens, Je tue les vilains pas FHR beaux. 40 est de retour. Coïncidence, je ne pense pas. Ou par contre, elle avait un recul là. Hein. Bon, ça va, ça se gère. Moi, je vais rester ici hein, pour l'instant. Jusqu'à que je pense la boîte puisse encore tourner, bouger. Sur là, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de juste Je viens passer de des doubler manches? mon budget récréatif. Bah, juste passer des manches, je crois. Hein. C'est tout ce qu'on va faire hein, dans ce petit retour sur Rave. Pas comme si on avait le temps de faire le secret. Il a beau être court. Ça me paraît un peu short quand même. Hein. Enfin, c'est rien que le boss en fait qui nous prendrait tout notre temps. Parce qu'en soi, je pense faire toutes les étapes, on a peut-être le temps de le faire en 30 minutes. Hein, en ayant le directeur scut. Ouais, large. Mais le boss. Le boss a une certaine durée, hein, surtout si tu la joues safe, donc pour alors la situation est un peu compromise. Je sens que là on va pas avoir les Sasquatch à la manche 6. Ah, je sais plus quand c'était. La manche spéciale du coup, ouais, ça, les Éclate Sasquatch. maximum. Les Yeti. Peut-être manche 6, Ces hein. cartes pourraient changer ma Ou alors destinée. manche 7. Ou alors encore plus tard. Hein. On a quoi, on a quoi, on a quoi, on a quoi? Oh, Ludem, par contre, il était bien, je crois, en zombie. Oui, il était incroyable. Il était incroyable, surtout avec cette variante là, qui est la variante un peu en mode sniper. Non, là c'est masterclass, hein. Oh, là on est bien. Bon bah malheureusement je crois que la Batapointe, je vais pas la garder parce que j'ai envie de prendre comme une autre arme. Mais qui ne sera pas du coup la Batapointe qui one-shot un peu, encore ou pas? Elle one-shot encore. Je sais plus d'ailleurs jusqu'à quelle manche elle pouvait one-shot quand tu l'améliorais. Au moins la manche 30 je dirais, hein, parce que c'est peut-être dans le prolongement tu vois des armes de corps à corps de Shaolin. Au moins un délire dans le genre. Par contre, moi, faut pas que je reste ici parce que je vais finir par mourir là. Vu que quand t'es dans l'eau, tu te déplaces à deux à l'heure, plutôt logique. Bon, encore, on a pied, c'est déjà bien. Oh, j'avoue, ce serait stylé si on pouvait nager. Hein. Bah, ce serait comme sur un Black Ops 3 zombie, quoi. Possibilité de nager et tout, ça aurait été pas mal. Hein. Tout sur une map comme ça où t'as pas mal ce côté aquatique avec le lac. Dommage, ils ont pas repris, tu vois, la fonctionnalité de pouvoir nager sur une petite warfare. Bah surtout qu'on l'avait juste sur le Call of Duty précédent quoi. Même sur Attack ça aurait pu donner un truc hein, le fait de pouvoir nager. J'ai la Ben Franklin. Ah bah voilà, c'est ça, c'est l'électrique du coup l'autre. Mais l'électrique, elle était. Est-ce qu'elle est. Oui, elle était bien, je crois, dans mes souvenirs tout de même. Hein. Du coup, bah c'est celle que j'avais oubliée. Non mais attends, là, en quelques boîtes, on a quand même obtenu 3 arbalètes hein, sur les 4. Hein. Il manque du coup plus que la pluie d'acide. Moi, je vais pas, je pense, chercher à l'avoir. Après, si on tombe dessus, bah pourquoi pas. Mais je pense que non, je vais pas expressément chercher à l'avoir. Ah, on est déjà en chute, hein.
Ça va plutôt vite, mais en même temps aussi là ce retour va aller très très vite. Oh là là, c'est bien dommage. Parce que plus on pouvait en profiter, mieux ce serait. Allez, ça tourne. Ça tourne malheureusement. Ça tourne comme la boîte quand elle nous donne une arme. Bon, on va un peu bouger du coup, on va un peu se déplacer. Donc là on peut limite se le permettre maintenant qu'on avance dans les manches, les zombies sont un peu plus réactifs. On va peut-être aller vers la scène. Attends, elle est où la roue mystère une nouvelle fois là? Ah, elle est plutôt là-bas. Elle serait peut-être limite vers son premier emplacement là en fait. De ce que je vois. Mais on n'est pas forcément très très loin. On UDM de one shot. Ah si! Bah il one shot quand il veut. Un coup il veut, un coup il veut pas. Laissez-le là, il est un peu indécis. Le petit UDM. Vas-y, je vais me déplacer vers là-bas. Peut-être terminer la manche avant, parce qu'il doit pas rester le petit zombie là. Encore? Comme quoi c'est jamais terminé. Je prends les petites gemmes, même si je vais pas forcément les utiliser. Hop. Ça c'est à mettre du coup sur les totems forcément pour obtenir les petites régalades. Alors est-ce que tu tombes forcément sur les régalades? Non. Et c'est l'un des éléments sur lesquels tu peux tomber quand tu te sers des gemmes. Ce sont forcément les équivalents des jetons de Spaceland. Ah ici c'était trop classe là le petit parcours. En mode accrobranche, mais accrobranche en mode easy, tu vois. Vraiment, retour sur la scène. Let's go. Tellement classe. Tellement beaucoup trop bien. Ouh là, il y a du monde par contre. Bah, t'inquiète, je peux mitrailler moi avec mon UDM. Hein. Aucun souci à se faire. Bah t'as la VLR Reaper ici. Et en plus, je passe un niveau sur l'UDM, magnifique. Niveau 7. Voilà, on met des bonnes têtes et c'est bon, ça one shot à nouveau. Attends, faudrait limite que... Ah, je sais ce qu'on va faire, on va aller sur la scène. Comme ça, je vais bien pouvoir stacker les zombies pour voir un peu le Ben Franklin, là. À quel point il peut être puissant sur des zombies bien paquets. Il y avait quoi déjà? Il y avait un truc ici derrière. Ah, c'était pour le secret, je crois. Non, t'avais une photo pour le secret, non? Derrière, ici. Est-ce qu'il y avait un truc, hein? Il y avait un truc, il me semble. Même là, t'avais pas un truc aussi? Possiblement. Possiblement, mais c'est peut-être lié au secret, du coup. Waouh, là, les zombies, vous n'êtes pas assez nombreux pour que je puisse faire mes expériences. Bon, tant pis, on va tirer direct. Ah ouais, tu vois, lui, il est même pas mort, hein. Ben Franklin, il doit pas être si bien que ça. Bah, surtout si je compare, du coup, à mon tourbillon. Qui, lui, bah, lui, c'est une masterclass. Hein. Tout comme la pluie d'acide. Bon, allez, on va avancer par là-bas, du coup vers la boîte encore, hein. Oh, la boîte, j'arrête pas de la spam. Faut que ça cesse, faut que j'arrête. Je contrôle mon instinct, là, de volonté de boîte, hein. Sinon, je vais la dévaliser, là, hein, ça continue. Ah bah, ça veut plus, tu vois, en faire, du coup. Oh, oh non, je suis nerf. Quelle catastrophe. Un Uber. J'ai failli changer mon UDM. Non, quand même pas, tu vois. Non, non, non. Il y a des limites à la connerie, quoi. Je pense qu'on va plutôt échanger, du coup, le Ben Franklin. Ouais, tu vois, il one-shot pas, en fait, alors qu'on est manche 10, donc en fait, il est un peu pourrave. Le Ben Franklin, malheureusement. Attends. Ah, non. Mais si, encore le BR, mais arrêtez, voyons. Arrêtez avec le BR. Le jeu, quand il voit que je prends pas une arme, il se dit, ah bah tiens, on va lui redonner l'arme. Comme ça, cette fois-ci, il va la prendre. Est-ce que le jeu, tu as raison? Totalement, parce que c'est ce que je fais, du coup. Effectivement, je la reprends. Le BR avec ses 20 balles là quand t'es en mode fusil d'assaut, c'est peut-être pas très efficace. Quoique c'est peut-être dû à ma variante ça. Peut-être de ma faute. S'il y a si peu de balles. Je sais même pas ce que je recherche là en vrai en faisant les boîtes. Hein. Rien de spécial. Oh le frelon par contre aussi c'était très puissant. Le problème c'est que là on n'a pas l'atout, je sais plus son nom en plus. C'est bon, c'est l'équivalent de Deadshot, mais on l'a pas sur Rave. Donc malheureusement il est un peu moins puissant parce que du coup avec. L'équivalent de Deadshot, là, t'as plus de recul sur tes armes. Et sur une arme comme le frelon, qui a quand même un recul à se prononcer, hein, c'est ultra efficace. C'est ultra important. Pareil pour la VPR, par exemple. VPR aussi, t'es vachement bien quand t'as... Parce que, regardez, là, quand je respirais un bon petit temps avec le frelon, il part en cacahuète, hein, c'est fini. Oh, l'espace 12. Oh, attends, l'espace 12, il avait autant de balles dans le chargeur? Il en avait 48 dans un chargeur. C'est vraiment utile d'avoir autant de cartouches.
pas sûr, hein. Je suis clairement pas sûr, hein. Pas convaincu. Après, j'avoue, le space, il doit faire le taf, hein, en soi. Hein. Plus de bon, là, il fait le taf. Après, est-ce que c'est vraiment une manche 11 sur laquelle on devrait juger les dégâts d'une arme? Non, c'est vrai. Ah, bah là, tu vois, du coup, il a pas one shot en plus. L'obusier, alors, ne prends pas pour un con le jeu, s'il te plaît. Je vais pas me refourguer un obusier de cette manière, là, c'est un grand non. Ça ne passera jamais, en fait. Oh, je me fais arnaquer par le jeu. Hein. Gain de prime, let's go! Ah, bah oui, je crois que j'ai gagné des clés, là. Parfait, parfait pour l'opening que vous aurez déjà vu, du coup. Mais que j'ai pas encore tourné, donc c'est plutôt intéressant de gagner des clés. Bon, je vais éviter de mourir aussi, parce que ce serait plutôt intéressant de survivre. C'est le but, non? En principe, oui, c'est le but. Vas-y, on va partir d'ici. Je crois que je vais arrêter les boîtes, hein. Quoique, quand je vais voir le nouvel emplacement, je vais me dire, oh ouais, en fait, vas-y, on va en faire encore quelques-unes, là, pour le plaisir. Pour le grand plaisir. Ça respawn où, là, la roue magique? Elle a pas encore respawn? Ah, ok, elle est là-bas, quand même. Hein. Surtout que sur Rave, attends, tu peux vite te faire tuer, hein, parce que c'est quand même une map où t'as souvent des espaces assez clos. Donc t'as vite fait de te faire piéger par les zombies, hein. Donc là, attention, on n'est pas sur un Cold War où tu peux pas mal résister aux claques des zombies. Là, t'es moins résistant sur Infinite Warfare. Hein. 5 claques, t'es à terre. Et parfois, les 5 claques, elles arrivent très très rapidement. Ce serait pas au chalet, là, du spawn, qu'on aurait la boîte? Si c'est au chalet, là, sur le top du chalet, je me rappelle, ça, c'était l'un des pires spots pour la roue magique. C'était horrible. Parce que t'es dans un coin, là, les zombies, ils peuvent t'assaillir à tout moment. Heureusement, c'est pas là-bas, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai même pas fait le mur d'escalade, du coup, en plus. C'est juste au niveau de la scène, là. Bon, vous inquiétez pas, on ira quand même au pack-a-punch hein, pour la fin de ce retour. Non, je me dis déjà qu'on est bientôt sur la fin. Hein. On aura pu passer quelques manches. Il y avait un zombie, là, j'entendais. Il est où? Ah, il est là. Et c'était le dernier, ça tombait bien. Ouais, et vas-y, j'en profite, là, il n'y a pas de zombies. Mur d'escalade. Ah, du coup, ouais, les petites statues aussi, forcément, pour... Ah, mais c'était peut-être ça, du coup. C'était les statues, les emplacements que je vous ai montrés, non? Après quoi, forcément? Parce qu'est-ce qu'elles avaient plusieurs emplacements? Je sais même plus. C'est vrai que t'avais les statues à récupérer. Moi, j'ai complètement oublié ça depuis que j'ai le Director's Cut. Forcément, je n'utilise plus les statues. Et ça, c'était pour avoir les armes spéciales. Elle est là, effectivement. La scène principale. Ouais, c'est la dernière roue magique que je vais spam. Hein. Je vous le promets. De toute façon, est-ce que j'aurai vraiment le temps d'en faire plus? Pas forcément. Hein. C'est également ça un peu le problème. Y'a quoi là? Oh, la trencher! Hey, la trencher, je sais plus non plus si elle était bien ou pas en zombie. J'en ai plus trop le souvenir. Mais pourquoi pas une petite trencher? Ouais, ça peut passer, hein. Je pourrais toujours jouer pas mal en vrai. Et voir ce que ça donne. Au petit moment instant, ça c'est pas mal, c'est hyper bien. C'est ce qu'on recherche en soi. On va les dégommer les zombies, on va leur mettre des mandales, ils vont rien comprendre. Ah, par contre, attends, j'avais cru que j'avais fait la boîte, mais même pas. Oh, alors là, par contre, attends, c'est. Attends, ah non, c'est le DMR, c'est pas la M1. Après, le DMR, je crois que c'est très puissant aussi, hein. Ouais, non, en vrai, je crois que les deux sont très efficaces. Parce que la M1, c'était une dinguerie, hein, sur le zombie, hein. Une petite warfare, hein. Mais non, le DMR, c'est pareil, parce que t'as aussi le côté pompe, tu vois, avec le viseur de pompe, donc c'est parfait. Bon, allez, on va aller, du coup, prendre le bateau. Il est temps. Ah, c'est vrai, il y avait les zombies bûcherons aussi, qui étaient, du coup, l'équivalent des zombies policiers, ils étaient plus résistants. Je les avais oubliés, les zombies bûcherons, hein. Est-ce qu'ils mettaient pas plus de dégâts, aussi? Ah non, peut-être pas, hein. Parce que déjà qu'ils étaient plus résistants, si en plus ils te mettaient, imagine deux claques au lieu d'une. On serait moyennement content, je pense, hein, du résultat. Il est où le dernier zombie, là? Ah, toi, je pense. Allez, let's go, hop. Allez, prenons le bateau, allons, pack-a-punch. Je sais même plus c'est quoi les prix des pack-a-punch. Avec Cold War, avec lequel tu peux également faire du multiple pack-a-punch, là, pour améliorer tes dégâts. Je suis corrompu, du coup, je sais même plus sur Infinite Warfare combien ça comptait. Ça coûtait, plutôt. Quand tu devais pack a punch une deuxième fois. Il y avait pas de troisième fois, de toute façon, après. Hein. Oh, je sais même plus, un peu. C'est honteux. Parce que là, elles sont pack a punch une fois quand je les récupère dans la boîte grâce au Director's Cut. Une nouvelle fois. Mais après, tu peux effectivement encore les pack a punch. Hein.
Allez, c'est parti pour une longue balade en bateau, car oui, souvent ça dure quand même un petit moment, la balade en bateau hein, sur Rave. Au moins, c'est un moyen original d'aller au pack-a-punch. C'est sympa. Dommage, limite, t'as pas des screamers, je sais pas, avec des zombies comme ça qui sortent de là en mode. Attends. Bon, ça fonctionnerait que les premières fois pour la panique. Mais ça fonctionnerait au moins. Ça aurait été sympa, imagine. Ou alors des trucs complètement décalés, mais aussi avec ce petit effet screamer. Oh, j'ai trouvé une idée là, un concept. Bon, c'est trop tard maintenant, ouais, forcément. C'est un peu trop tard pour ce genre de concept. Tant donné que la map est sortie il y a des années. Mais voilà, si vous faites, je sais pas, un nouveau ou une fille devoir faire zombie, ça n'arrivera jamais malheureusement. Reprenez ce concept. Ah, rip. Rip une fille devoir faire zombie qui n'aura jamais de suite. Et qui pourtant aurait pu avoir une suite plus que prometteuse. Ça aurait été une dingue. De chez dingue masterclass. C'est la masterclass de dingo, quoi. Ah bah, en tout cas, j'ai quand même 20 000 points, là. Hein. C'est vrai qu'attends, il y avait des saucisses aussi qu'on pouvait récupérer ici. Saucisses, c'était pour... Ah, c'était pour quoi, déjà? C'était pas pour l'un spécial, aussi? Oh, je sais plus. Ah, attends, mais t'avais pas la deuxième... Oui, voilà, fallait récupérer la deuxième bobine, aussi, c'est vrai. Heureusement que je me rappelais où elle était. Hein. Et c'était ici, les saucisses infectées, là. Je pouvais pas en avoir plusieurs, là. Non. Et Kevin Smith, qui était là, du coup. Ouais, on a infecté le zombie. Mais il fallait le lancer ça sur un fer, quoi, non? Empaillé, du coup, hein, un fer empaillé. Je crois que c'était ça le délire. Mais est-ce que c'était pour l'un spécial ou c'était directement pour le secret? Ah, bah c'est 10 000 d'ailleurs. Je comprends. Bon, du coup, l'un spécial, non, on peut pas. Mais l'UDM. Oh putain. Les gestes qu'il nous fait là. Point Dexter. Tu déconnes. Là, c'est au max, du coup, ouais, c'est bon. On peut améliorer du coup les deux, j'avais largement assez de points. Mais c'est quoi cette gestuelle là? Qu'est-ce que tu nous fais, Point Dexter? Il est foufou. Bon, rien de nouveau en fait, hein, qu'il soit fou. Voilà, comme ça j'aurais tout amélioré pour terminer, parfait. Excellent. Et je pense qu'on va terminer ici du coup, sur la fameuse île du Pack-a-Punch, mais surtout la fameuse île du boss fight. Contre l'énorme brute, The Rave in the Redwoods. Bon là du coup on gagne encore plus en efficacité, c'est magnifique. Ah mais si, j'ai plusieurs saucisses là, attends. Ah non, c'est parce qu'elles se rechargeaient automatiquement. Bon, en fait, sur les zombies, ça faisait rien, tu vois, hein, à part un petit effet de gaz vert, là. On n'allait pas plus loin, hein, en termes d'effet. Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait les petites saucisses infectées qui sont périmées depuis sûrement pas mal d'années. On n'aurait pas une estimation, mais ouais, ça fait quand même pas mal de temps qu'elles sont périmées, les pauvres. Hein. Que de tristesse. Il reste encore un zombie, là, d'ailleurs. Où es-tu, mon petit zombie? On l'a perdu, lui, il doit être de l'autre côté aussi bien. Ah oui, il n'y avait pas ça d'ailleurs. Si, je crois qu'il y avait des zombies qui restaient bloqués de l'autre côté. Bon, j'avais dit qu'on terminerait ici, mais en fait, on va prendre la tyrolienne, on va retourner sur l'île principale. Enfin, pas vraiment une île, c'est plutôt ici que c'était l'île, vu que c'est un lac. Même sur la tyrolienne, t'as quand même l'impression d'être un peu lent. Normalement, une tyrolienne, ça va un peu plus vite. Après, elle est peut-être pas très inclinée, c'est pour ça. Bon, définitivement, il est où ce zombie? Ah! Ah, mais ils étaient deux en plus, oh bah alors vraiment. Comment ça, vous étiez deux? Comment ça? Encore mieux, on va terminer du coup sur la scène de la rave party. Oh, ça c'est un bon concept. Un bon concept de fin pour cet ultime retour sur ce Infinite Warfare multijoueur plus zombie. Bon, j'espère en tout cas hein, que ça vous a plu vraiment, ce double retour. Je pense que vous ne l'avez pas vu venir, étant donné que je vous avais quand même proposé un retour déjà en étant là sur PlayStation 5 il y a de cela peu de temps. L'opening aussi que vous avez eu juste avant, bon que j'ai pas encore tourné de mon côté, mais je sais que ça sortira avant, donc voilà. Donc c'est vrai que vous avez été plutôt comblé en termes d'Infinite Warfare avec ces trois vidéos. Après, ouais, il pourrait y avoir encore d'autres vidéos de toute façon. Hein. Comme je l'ai normalement déjà dit de toute façon auparavant, même si c'est l'ultime retour, ça veut pas dire que c'est le dernier. Il y aura encore des vidéos sur Infinite Warfare, que ce soit en zombie ou... en multijoueur, soyez-en sûr. Après, bon, je vous garantis pas que ce sera non plus à l'instant T, tu vois. Mais il y en aura. Il y en aura. Avec un peu de patience, vous serez récompensé pour ceux qui attendent. Comme quoi, là, vous avez été récompensé déjà avec une triple vidéo. Et vous y attendiez pas, je pense, à la base. On va terminer du coup la manche 17 pour conclure tout ça de la meilleure des manières possibles. On est déjà sur une fin de manche là, de toute façon. Hein. Ça va assez vite. Oh la musique elle bombarde hein, par contre. Hein.
Et voilà. Donc encore une fois, likez, commentez, partagez un maximum pour cet ultime retour sur Infinite Warfare. Et sur ce, je vous dis bah merci d'avoir regardé, surtout bye. Tout le monde. Oh yeah.